Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA 17h. Alors, réveil difficile des troupes caquistes au lendemain de la démission inattendue du whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, celui qui occupait un rôle important au Conseil des ministres, quitte la CAQ pour se présenter comme candidat conservateur aux prochaines élections fédérales. Alain, c'est une décision que plusieurs de ses anciens collègues n'ont jamais vu venir. Alors, c'est une surprise totale. Puis il faut dire qu'il y en a plusieurs au sein du caucus qui sont vraiment fâchés de voir partir le préfet de discipline. C'est également le confident d'un gouvernement, le WIP. Donc, c'est une grosse perte pour François Legault, là, qui est en difficulté présentement dans les sondages. Il a été avisé à 18h hier soir comme son chef de cabinet. Éric Lefebvre va maintenant siéger comme indépendant. Il va se présenter sur la bannière conservatrice fédérale aux prochaines élections lorsqu'elles seront déclenchées. Et aujourd'hui, on sentait une certaine pointe d'amertume chez certains députés caquistes. Écoutez. Éric était quand même le whip. Alors que soit un des premiers à quitter le bateau, ça surprend. C'était pas annoncé, donc c'est sûr que ça peut être surprenant, mais en même temps, c'est sa décision. Vous mettez dans l'embarras à la CAQ? Ben écoutez, je pense que c'est son choix. Il faut lui demander la question. Collaborateur que j'ai apprécié, j'ai appris à le connaître, puis il fait ses choix. Est-ce que vous n'êtes pas capable de dire tout simplement « je ne me présenterai pas pour le Parti conservateur » Pourquoi je ne suis pas capable de dire ça? Parce que je n'ai pas à répondre à cette question-là. Bien, évidemment, ça relance les rumeurs. Là. Est-ce qu'il y a d'autres députés qui vont faire le saut, qui vont aller vers les troupes de Pierre Poilievre? Ce qui est certain, c'est que Éric Lefebvre ne sera pas à l'Assemblée nationale avant mardi prochain. Il sera officiellement présenté comme candidat dimanche. Et certains députés des oppositions laissent entendre qu'il devrait peut-être quitter. Écoutez. Éric Lefebvre voit bien plus d'avenir avec Pierre Poilievre qu'avec François Legault. Et ça, ouch, ça fait mal. Je ne suis pas son directeur de conscience, mais si ça devait durer des mois et des mois et des mois, visiblement, son cœur est ailleurs, sa tête sera bientôt ailleurs, ses efforts seront mis ailleurs. Alors, je pense qu'il doit prendre une décision en respect pour sa population. Historiquement, les WIP siègent toujours au Conseil des ministres. Donc, ils sont au courant des moindres secret et grand dossier à venir de l'État. Et lui, il sait tout ça, mais il quitte pareil. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux à Ottawa, plus loin de Victoriaville, que les Québec? Par ailleurs, Alain-François Legault participe en ce moment, les images qu'on voit d'ailleurs, à l'étude des crédits là, du Conseil exécutif. Oui, c'est une période de questions allongée avec moins de décorum. Et évidemment, ça donne lieu à des échanges quelquefois assez corsés, surtout dans le contexte du départ d'Éric Lefebvre. Écoutez. Allez-vous être candidat lors des prochaines élections générales? Là, ça commence fort. Oui, je serai candidat. Votre niveau de consolation vous fait vous mettre quelle note sur 10? Bien, écoutez, là, on est-tu à génie en herbe ou je sais pas, là, mais je c'est pas à moi de me donner une note, là, c'est aux Québécois. Le premier ministre a des qualités. Quel est son principal défaut? Je pense, j'entends les gens dire autour. Qu'est-ce qu'il dit, justement? Je suis pas patient. Allez-vous faire un remaniement ministériel cette année? Il y a rien de prévu. OK. Considérez-vous que tous vos ministres sont à la bonne place? Bien, moi, je suis très satisfait de l'équipe que j'ai au Conseil des ministres. Sophie, pour ce qui est du remaniement ministériel, c'est pas ce qu'on entend. Rien de prévu, hein? Les mots sont importants. Merci beaucoup, Alain.